Salut à tous et bienvenue sur apprendrelabatterie.com pour le cours de la semaine du 18 juin 2021. Allez, aujourd'hui, un cours, un drum cover, en fait, un relevé que j'ai fait, que je vous donne. Et je vais vous expliquer pourquoi, en gros, j'ai fait ce relevé maintenant. Donc d'abord, pourquoi j'interprète ce morceau? J'interprète ce morceau parce que la semaine dernière, je travaillais toute la semaine, j'étais en résidence, comme j'ai pu le dire dans les vidéos précédentes, et je ne pouvais pas donner mes cours. Et donc, je me suis fait remplacer par un copain à moi qui s'appelle Julien Portelli, qui m'a remplacé dans mes cours à Paris, et qui a fait travailler un morceau à un de mes élèves, et j'ai trouvé ce morceau très, très malin, et notamment de le faire travailler. Je connais ce morceau depuis des années, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et donc, il avait fait un relevé. Son relevé était juste, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai juste, moi, refait un relevé numériquement pour le faire au propre et savoir ce que j'allais pouvoir en tirer par rapport au cours, parce que j'ai trouvé ce morceau très intéressant pour une communauté large de niveaux de batteurs. Alors, ce morceau, c'est un morceau de John Mayer, le guitariste, d'accord, pas le fabricant de sono, et qui s'appelle Vultures. Alors, à qui conviendra d'abord ce morceau? Ce morceau, il est très pratique, parce que justement, il va convenir à ceux qui débutent, qui ont un minimum de niveau, qui savent jouer des grooves en croche au charlet. En gros, le morceau est à 98, c'est essentiellement un groove au charlet. Donc c'est jouable par beaucoup d'entre vous. Il conviendra aussi à ceux qui aiment le groove, parce qu'en fait c'est une tenue groove sur toute la longueur. Et aussi parce que la qualité principale du gars qui joue ce morceau sur l'album, c'est le groove. Il s'agit du batteur Steve Jordan. Et donc ceux qui, après plus avancés que les débutants, voudront travailler leur tempo et leur précision, pourront aussi travailler ça avec ce morceau. C'est pour ça que je dis qu'il ne touche pas que les débutants. C'est aussi un exercice bien précis. Et je vous rappelle quand même que la première qualité d'un batteur, pour les autres musiciens, c'est sa régularité. Et non le fait qu'il en mette partout et qu'il fasse des breaks en triple croche. Ça, généralement, aux autres, ça leur casse les couilles plus qu'autre chose. Ok, donc on va regarder qui est John Mayer et qui c'est déjà cet oiseau. Alors, John Mayer, aujourd'hui, c'est un gars qui a 44 ans. Mais il a eu ses premiers succès au top 40, là, aux États-Unis. Je pense qu'il avait 22-23 ans. Donc, il est guitariste-chanteur. Il est très influencé par le blues et la musique country, donc de son pays. En plus, il est doté d'un physique qui va bien, il est beau gosse, il a eu fait, je sais plus, la couverture, c'était de Rolling Stone ou guitariste, je sais plus, style torse nu, le mec a tout qui va très bien, voilà, et c'est un compositeur hors pair dans son style. En 2006, il sort l'album Continuum, d'accord, où dessus, il y a toute une pléiade de grands musiciens, donc tout d'abord, on peut retrouver style le trompettiste Roy Hargrove. Il y a Ben Harper qui fait la guitare sur cet album. Il y a Manolo Badrena qui fait les percus. Larry Goldings, Charlie Hunter, avec qui il a co-composé un morceau d'ailleurs. Et aussi Pino Palladino à la basse et Steve Jordan à la batterie. Sur quasiment tous les morceaux. Steve Jordan, il fait quasiment tout sauf un morceau, je crois. L'autre morceau, c'est Clayton Cameron qui joue dessus. Donc je m'attarde surtout sur les deux derniers musiciens, Pino Palladino et Steve Jordan. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'il va monter son trio, le John Mayer Trio, avec lequel il va y avoir un album qui s'appelle Try, qui est un album live et qui est un album de référence dans le style que je vous conseille vraiment d'écouter. Voilà, Try, un album qui est sorti en 2005, un an avant Continuum. Et on retrouvera sur Try, d'ailleurs, l'album, le morceau d'aujourd'hui, mais joué live. Et vous pourrez comparer, d'ailleurs, vu que c'est le même batteur, comment il a interprété ces deux versions de ce morceau. Donc là, la version qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'album studio Continuum. OK. Qui a été enregistré donc en 2005. Et à la batterie, c'est Steve Jordan. Steve Jordan. Là, on va s'attarder au cas Steve Jordan. Steve Jordan, 64 ans aujourd'hui, est un batteur afro-américain, mais qui a aussi une carrière de producteur.
Au début des années 2000, il a d'ailleurs sorti un DVD pédagogique chez Hudson Music que, si vous n'avez pas vu, je vous conseille de regarder. Il y a quelques bons plans au niveau du studio, de l'enregistrement. On va voir de suite pourquoi. Alors, tout d'abord, Steve Jordan, qu'on ne connaît pas forcément ici outre-Atlantique, a joué avec Stevie Wonder dans le groupe de Saturday Night Live, l'émission, les Blues Brothers au début. Il a aussi été batteur dans le David Letterman Night Show, là. Il a enregistré pour Bob Dylan, Sonny Rollins, B.B. King, James Taylor, Bruce Springsteen, Keith Richards, Neil Young. Bon, enfin, voilà, la liste est très très longue. C'est lui, par exemple, qui joue If I Ain't Got You d'Alicia Keys. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce slow en 12-8, c'est lui qui joue dessus. Je crois qu'il y a une histoire dans la production de la version de Love de Josh Stone aussi. Tous ces titres un peu groovy où la batterie est à l'époque pas du tout tendance par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là, c'est lui. C'est-à-dire qu'on est au début des années 2000 et tout ce qui se fait, c'est hyper millimétré, carré, enregistré au Pro Tools, il n'y a rien qui dépasse et le batteur doit être plus en place que jamais. Lui, il sort des trucs qui font des cartons, des tubes et la batterie, elle est jouée très live, il y a des imperfections. Et le fait qu'il y ait des imperfections, que le tempo puisse fluctuer à des moments et tout ça, il ne joue pas à côté, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais le fait que ça puisse bouger, que le son contribue vraiment au groove du morceau, et ça marche. Donc, début des années 2000, il est à contre-courant un peu de la prod de cette époque-là. Bon, c'est le début où on revient un peu sur la version années 70 des enregistrements. Il est aussi à contre-courant dans le jeu. Et là, je m'explique. C'est-à-dire que début des années 2000, on a des DVD qui sortent de Marco Minnemann, Thomas Lang et avant, fin 98, Virgil Donati. Et les mecs, ils arrivent. J'avais un prof qui appelait ça des singes à pédales. Je ne dirais pas qui c'est parce que ça me faisait marrer. En fait, les mecs, ils essayent de développer autant de techniques avec les pieds qu'avec les mains. Et c'est super, hein, ce qu'ils font, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Mais lui, quand il sort son DVD, en gros, entre 2000 et 2005, je ne sais plus quand est-ce que c'est, ça s'appelle The Groove Is Here. Et lui, il joue avec des batteries des années 70, des vieilles Ludwig, des trucs comme ça. Il y a la caisse claire, il y a un tas de scotch dessus. Les toms, c'est des vieilles ambassadeurs pourries, il les change pas, il scotche et tout. Il a des sons complètement mutés. Et il produit des trucs à l'ancienne, quoi. Et d'ailleurs, dans son DVD, on le voit jouer des trucs de funk avec des vieux mecs qui font du synthé Moog, des basses Moog, c'est génial, quoi. Et à cette époque-là, c'est vrai que quand on a pris tout le reste et qu'on était dedans, moi par exemple, qui était très impressionné par le trio que j'ai cité auparavant, c'est-à-dire Donati, Lang et Minnemann. Je crois que Minnemann avait sorti d'ailleurs son DVD avant Lang, je sais plus. Donc, enfin voilà. Le mec, il arrive, on fait ouais, et je comprenais pas trop, et je pense que j'avais pas saisi l'ampleur du problème en fait. Donc, ce mec-là, il a contre-courant de tout, mais il produit beaucoup de choses à côté de sa carrière de batteur, et ça marche. Je vous invite à regarder son DVD, à vous renseigner sur Steve Jordan. Voilà, c'est quand même quelqu'un à connaître. Alors, Vultures, ce titre. Dans ce titre, il nous montre clairement qu'on peut faire groover un morceau sans déballage technique. C'est sa spécificité, on va dire. Et on l'a vu d'ailleurs dans le DVD, quand on connaît le DVD. Il se passe pas grand-chose à part du groove et quelques fils. On a des particularités bien précises du style la première cymbale crash arrive après le premier refrain, quoi. C'est-à-dire que quand vous écoutez un morceau, généralement, s'il y a un décompte et fla, pouf, le premier truc qu'on met, c'est une cymbale crash. Lui, con, il a passé l'intro, le couplet, le refrain, pof, une crash. Déjà, ça assoit beaucoup de choses. Et il ne se passe pas grand-chose. Un peu comme dans tous les morceaux qu'il a fait, c'est énormément de groove et un son bien particulier. Le son de Vulture est assez. C'est caisse claire fat. Charlé très épais, une crash cymbale qui est très large, très grosse.
Si vous écoutez l'album Continuum, vous pourrez vous apercevoir vraiment d'ailleurs du travail du son. Sur chaque morceau, il y a souvent une caisse claire différente, des charlés qui ne sonnent pas pareil, le mixage est différent. Et au niveau du travail du son de batterie avec Steve Jordan, c'est là, il y a toujours quelque chose. Il se passe toujours un truc. Et c'est peut-être justement ça qui fait la différence avec les autres. C'est-à-dire que les mecs, les autres arrivent avec une grosse technique, mais tous le même son. Et en allant vite, des fois, on dégrade un peu le toucher, le son et tout ça. Lui, là, il n'y a pas de déballage technique, mais par contre, au niveau du son, il va trouver le bon son pour le morceau, ou du moins il va créer un bon son pour un morceau, parce que je veux pas, faut peut-être pas, il pourrait peut-être y avoir plusieurs sons possibles pour un morceau, c'est ce que je veux dire par là. Donc différentes caisses claires, différentes cymbales qui font que le son est particulier. D'ailleurs, quand j'ai enregistré le morceau et que j'ai mixé, j'ai été obligé d'utiliser un matériel un peu différent pour essayer de m'en rapprocher. C'est aussi ça qui m'a intéressé dans ce morceau. C'est-à-dire que j'ai énormément détendu la caisse claire comme lui. Ça peut sonner comme ça sur l'enregistrement. Mais j'ai aussi utilisé une peau découpée que j'ai rajoutée sur ma caisse claire. D'accord ? Pour avoir encore un son plus fat, plus large. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une ambassadeur de 14 que j'ai découpée au cutter. J'ai enlevé le cercle. J'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Vous la posez dessus, ça vous donne ce son de caisse claire disco des années 80, plus fat, en gros plus fat, sans aigu. Ça enlève vraiment le gling 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 qui peut casser les couilles à tous les sonorisateurs de la Terre. Voilà, preneur de son. C'est sonorisateur, c'est comme quand tu dis à un mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il est cantonnier, il est technicien de surface. Bon, enfin, voilà, donc ça me fait marrer de dire des conneries. Donc ça, peau de 14 découpée, empereur, c'est qu'une partie de l'empereur que je pose dessus. Parce que l'empereur, quand vous allez la découper, vous allez voir qu'il y a deux feuilles. Et j'ai utilisé un charlet beaucoup plus épais. J'ai utilisé ça, un charlet de 15, un paste Dark Energy de 15 pouces. Ok. Donc ça, c'est assez gros, c'est lourd. Et c'est plus épais. Je pense qu'il utilise plus grand encore que ça sur l'enregistrement. Je pense qu'il est avec deux crashs de 16 qu'il a mis. Je pense, parce que ça, c'est encore un peu trop. Donc ça coûtait un bras à l'époque. Hein. Ça valait 700 ou 800 balles. Dark Energy 15. Je crois que c'était le seul charlet de 15 qui existait à la banque quand je l'ai acheté. C'est mon ami Régis de la Baguetterie qui me l'a vendu. Et bien vendu. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça. Et au mixage, j'ai enlevé toute l'attaque sur la grosse caisse. Il n'y a pas d'attaque dans le mixage que j'ai pu écouter. Bon, à savoir que je me suis basé sur une écoute de Spotify. C'est pas la meilleure, j'avais pas l'écoute extraite chez moi. Au niveau du jeu, on a vu, tout est dépouillé, rien de compliqué. La première crash après le premier refrain sur l'interlude. En revanche, un tempo parfait. Et un placement rythmique parfait. Voilà, dans le style, il n'y a rien à dire. Je ne peux que vous convier à écouter Steve Jordan, qui est un batteur qui a été médiatisé au début des années 2000 et qui l'est beaucoup moins maintenant. Voilà, c'est un gars, renseignez-vous, regardez ce qu'il a fait, il y a quelque chose vraiment avec ce garçon. Donc, là, je vais vous interpréter le morceau tel que je l'ai fait. Comme vous avez pu le voir dans la preview au début, et pour tous ceux qui vont acheter le cours, dans le cours que vous achèterez, qui se trouve dans la barre de description en dessous, pour 5 euros, vous avez la partition du morceau que j'ai relevé à la note près, d'accord ? Je me suis vraiment attaché à essayer de relever le truc à la note près. Une autre vidéo où je vous explique en gros ce qu'il faut travailler dans ce morceau, parce qu'il n'y a pas grand-chose de différent, mais je vous montre en gros les 7 ou 8 choses précises qu'il faut travailler avant d'attaquer à lire la partition. D'accord ? Et je vous amène à ça, je vous montre les exercices. Vous avez aussi la partie de batterie du morceau jouée du début à la fin, mais sans la musique derrière, pour que vous puissiez lire et voir ce que je joue par rapport à la partition. Et en gros, et c'est tout. Voilà. Et en gros, vous avez fait le tour. Une fois que vous avez vu les 7 changements, différents qu'il y a dans ce morceau par rapport au groove principal et les quelques fils et tout ça, vous pouvez arriver à jouer. Une fois que vous passez tout ça à 98 à la noire, vous attaquez à la partition. La partition n'est pas très très compliquée. Il y a quelques signes de renvoi. Je vous explique aussi les signes de renvoi et les fameux de la partition dans l'autre vidéo. Voilà, j'espère que ce morceau vous plaira. Si vous ne connaissiez pas John Mayer, je vous encourage à écouter ce qu'il a fait, notamment cet album Continuum qui a eu un Grammy.
voilà, soutenez-nous via Tipeee, likez la vidéo, parce que ça nous aide, parce que le but, c'est quand même de bouffer les Dreméo et tous les autres dans 2 mois, on va tous les niquer. Voilà, on va faire 4 millions d'abonnés, on va prendre de la fraîche, et ça va être terrible. Tipeee, likez, partagez, aidez-nous, on est pauvres. Hein. Voilà, j'espère que ce morceau vous plaira, je vous dis à plus tard sur apprendrelabatterie.com. Travaillez bien votre batterie. Et puis, il n'y a plus de masque depuis aujourd'hui dehors. Et c'est la fête. Allez, c'est la fête. Salut, ciao. What you gonna do?